They've been camping out in the Dal in Oslo, and the camp in The Hague also goes way back. Refugees have been protesting in tent camps for many months, demanding nothing more than a just and clear solution for their situation. Why? In a moment, refugees will tell their stories and what they have to say. It's your day, my friends. If you got something to say, please step forward in a moment. It's an open microphone for all who want to speak. But let me start by saying something more general. These people in the camps of The Hague and Amsterdam, like so many out there in the street, are caught in a limbo. Although so many of them, even according to the harsh rules, have a legitimate claim to a residency permit, they don't get it. The IND does not believe their stories. But they can't be deported too. Somalians, for example, can't be deported according to a ruling by the Council of State made in 2009. So then these people are caught between a legal status and a deportation. They are trapped. Periods of life in uncertainty are interspersed with periods in captivity. A solution is what the refugees ask for. A solution is what the refugees have. The solution starts with the reopening and the re-evaluation of the files, with the IND now sincerely looking at their stories. Refugees request normal access to healthcare and education. They request security from the police. No more random arrests. In the meantime, refugees should obtain a form of a residency permit. Before I hand the microphone to the refugees, one more thing. In reality, we are all immigrants. We are all refugees. Really. Look in your family history and you will find that only a tiny minority of us has no refugees or immigrants as ancestors, especially in the cities. Same goes for me. As ancestors, I have Antwerp Calvinists from the 16th century who fled for political tyranny. Portuguese Jews who fled from religious persecution in the 17th century. Or simply a poor Frisian land worker called Sjerp van Woude, like myself, who fled from poverty. We're all immigrants, we're all refugees. The only difference is that these people have arrived more recently than the rest of us. He's one of the organizers, and I'd like to give him the word. Welcome, all everybody, come on here. Merci pour tout le monde qui sont venus ici pour nous aider. Ce qu'on veut de tout le monde ici, c'est d'expliquer tout ce qu'ils ont vu dans le camp. Nous sommes là pour démontrer à les gens, à tout le monde, pour que nous sommes là, nous ne sommes pas pour nous sommes pas venir à cause qu'on n'a pas de problème. On a beaucoup de problèmes chez nous. La guerre, les problèmes de tribus, les problèmes de inimitaires, des problèmes de religion, et tout ça, c'est pour tout le monde ici. C'est pour cela que nous avons fait cette démonstration. Pour expliquer les gens plus que nous, les gens de Osdorp et les gens de Den Haag, nous avons le même problème. Ces personnes, ils nous écoutent. Seulement le peuple, on veut du gouvernement, ils nous aident, ils nous donnent les 5 points. Les 5 points, c'est pour le droit de l'homme. C'est pour tout le monde. C'est la santé, le droit d'étudier. Le droit de vivre une vie légale. Avec la vie légale, il y a les 5 points. Et silence. Et le silence de. Le silence pour que de ton vie. Parce que si tu sors, la police il t'attrape, il te met dans la prison. À cause de quoi? À cause que tu n'as pas de papiers. Et toi, tu laisses ton pays parce que tu as des problèmes de vie. Si tu reviens à ton pays, on te tue ou on te met dans la prison ou on te fait des autres manières qui sont très difficiles à l'expliquer. Et on veut
de tous les gens. Il explique à les gens qui ne sont pas ici, plus et plus. Et je vous dis ce qu'on a écrit hier nuit. Nous sommes ici parce que notre vie est en danger. Il y a 4 raisons à cela. La guerre est le plus important, par exemple en Afrique et en Asie. Il y a beaucoup de guerres civiles. Et la seconde, la violence et l'oppression politique. Ensuite, il y a division religieuse. Et enfin, il y a tous nos pays, des problèmes entre les tribus. Toutes ces causes sont liées. S'ils ont été mélangés, cela se voit par exemple dans les mouvements extrémistes. Elles rendent la vie impossible pour vous si vous n'avez pas cela. Les règles strictes, prendre en boire, peut vous coûter la vie. Et ça passe dans tous les pays. Si quelqu'un il boit ou il fait chose contre les autres religieux, il peut quitter son vie. C'est pour cela que nous sommes là. Et merci pour votre présence. We are here because our life is in danger. There are 4 reasons for this. War is the most important one. There are, for example, multiple civil wars in Africa. The second is political violence and oppression. Then there's religious division. Finally, there are in all our countries problems between the tribes. All these causes are related. They're mixed together. We can see this in the extremist movements. They make life impossible for you if you do not conform to strict rules. Having a drink can cost you your life. Being a member of another tribe or of another religion can bring you into deep trouble. So we are here because we face persecution and danger in our countries. We need to be in the Netherlands because this country is a free country where our lives are safe and we could build a future. I'm from Iraq. I'm here for the same reason. We are here for a big reason. Our life is under threat in our countries. I'm specifically from Iraq, and I believe, and everybody knows, that Iraq is not saving up, that Iraq is descended to Iraq, and we hope that Holland remember that they are from one of our biggest countries who believe in human rights. And I remind them, and I'm speaking instead of other Iraqis and almost all the refugees in Holland, I remind them that they are maybe recommitted to give human rights till these countries be saving up them. People will be sent back safely, and I hope our word will be heard by all the responsibles in Holland and probably other countries who are believing in human rights, to give the refugee rights to us. As I said, till we be safe enough in our countries, then we head back to our land. That's my word, and thank you for hearing our word. Net als het vluchtelingenkamp hier in Amsterdam, is er in Den Haag ook een tentenkamp. Al vanaf 19 september
voert u een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen actie tegen een onmenselijke situatie waar zij zich in bevinden. Terug moet je, wordt er keer op keer gezegd. De dienst terugkeer en vertrek leverde zelfs een brief op het kamp af. Gericht aan iedereen, zonder te kijken wat voor situatie deze mensen zich überhaupt bevinden. Werk mee aan terugkeer en je krijgt tot die tijd een dak boven je hoofd. Maar realiseer deze dinsdag dan niet dat deze mensen niet terug kunnen. Dat als deze mensen teruggaan, zij hun leven niet zeker zijn. Velen hebben door de oorlog al familie en vrienden verloren en zijn gevlucht omdat er ergens anders een menswaardig bestaan op te bouwen. Maar in plaats van dat ze in Nederland worden opgevangen, worden ze weggestopt in AZC's, detentiecentra en aan hun lot overgelaten, op straat, zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Het mensenrecht, wat ze niet in hun eigen land konden halen, wordt ook hier in het zogenaamde tolerante Nederland ontzegd. Deze mensen vallen tussen wal en schip en kunnen niet meer dan wachten tot er een humane oplossing komt voor dit probleem. En wachten doen ze, al jaren. Maar ze gaan door, liever in de regen dan in een kogelregen, zei een van de vluchtelingen laatst. Na ruim 7 weken in de tentenkamp te verblijven, vele acties en gesprekken met de politiek verder, is er nog steeds geen oplossing. Het enige wat de politiek zegt is wat schrijnend, wat zielig en wat vervelend. Maar ondertussen leven zij nog steeds op straat. Nederland laat vluchtelingen verrotten op straat in de hoop dat ze teruggaan. Maar ze laten zich niet meer klein krijgen en vechten terug. Ze laten zich niet meer de mond snoeren. Ze verstoppen zich niet langer, maar laten aan heel de Nederlandse samenleving zien hoe er met hun wordt omgegaan. En doen volop mee met het politieke en maatschappelijke debat. Nederland, neem je verantwoordelijkheid. Bied ze onderdak en verblijfsrecht. Laten we samen vechten voor een oplossing. Deze mensen verdienen een waardig bestaan en niet gekleineerd en geschoffeerd te worden door de staat. Mensen vluchten niet zonder reden. Wat zou jij doen als je je leven niet zeker bent? Geen mens is illegaal. Bewegingsvrijheid voor iedereen. Geen man, geen vrouw. Geen mens is illegaal. 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 Geen man, geen vrouw. Bonjour tout le monde. Je remercie tous les gens qui sont laissés leur travailler de venir nous soutenir. Je remercie également la population hollandaise, surtout la population de Amsterdam. Depuis qu'on est à Oostrop, les populations d'Amsterdam, les quartiers Oostrop, ils sont beaucoup faits pour nous. Ils nous donnent à manger, ils nous donnent les habits, ils nous donnent les couvertures. Donc nous remercions beaucoup les populations. Merci. Nous sommes pas des animaux. Nous sommes des refusés. Nous demandons le gouvernement pour nous aider. On est devenus les galettes. Nous avons des problèmes, c'est nous. On ne peut pas retourner en Afrique. Notre vie est en danger en Afrique. Et il nous a pris notre empreinte. On ne peut pas aller dans notre pays pour demander la protection. Il nous a jeté sur la route. On ne peut pas aller aucun pays d'aller demander aide. Et on ne peut pas aller à notre pays. Notre vie est en danger. Il nous a mis sur la route. Où allons-nous? Et on n'a aucun parent ici. Donc nous demandons l'État pour nous aider. Nous voulons une aide pour l'État. Nous voulons une vie normale. Nous ne sommes pas animaux.
L'Europe a besoin de l'Afrique et l'Afrique a besoin de l'Europe. La situation que l'Afrique est aujourd'hui, si je ne me trompe, l'Europe avait les mêmes situations avant. Et pourquoi, si nous avons expliqué notre problème et ils n'ont pas confiance en nous? Donc nous voulons une aide, une vie normale, que l'État nous aide. On n'est pas des animaux, nous sommes des êtres humains. C'est pourquoi on est venu pour montrer, pour que les Hollandais vont nous voir notre situation. Nous ne sommes pas bandits, nous ne sommes pas criminels, nous sommes des refusés. Nous réclamons nos droits en respectant la loi de Hollande. Donc je vous remercie, tous les Hollandais qui sont laissés leur travail de venir nous aider. Je vous remercie infiniment. Merci, merci. Vive la Hollande, vive les Hollandais. Je vous remercie. Ik zal even kort in het Nederlands vertalen wat Omar uit Guinea net heeft gezegd in het Frans. Hij bedankt iedereen, de buurt in Osdorp, de stad Amsterdam en alle Nederlanders voor de hulp die de mensen bieden aan de vluchtelingen. Wij zijn geen beesten, wij zijn vluchtelingen. Zo is het. Wij kunnen niet terug, wij hebben hulp nodig. Wij willen hulp om een normaal leven op te bouwen. Europa en Afrika hebben elkaar nodig. Europa heeft ook tijden gekend dat het net zo slecht was als nu in Afrika. Waarom vertrouwen ze ons niet? Waarom geloven ze niet dat wij hier niet voor niks zijn gekomen? Wij willen, net als jullie, een normaal leven. En wij doen dat met respect voor de wetten van dit land. Nogmaals, hartelijk dank. Ja, ik wil gewoon te zeggen, die mensen, ze komen hier, ze willen gewoon een beetje helpen, want sommige mensen hier wonen in Nederland meer dan 13 jaar, geen verblijf voor de geen toekomst, dus we willen graag gewoon te helpen, die helpen gewoon. En ik weet niet wat ik moet zeggen, want we willen gewoon helpen. That's got it for us.